Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée, j'espère que votre week-end s'est bien passé, on est lundi comme d'habitude, vous me résumez votre week-end, vous me résumez votre journée, c'est un petit peu le topo, j'ai oublié de le dire sur la vidéo de tout à l'heure, mais c'est pas grave, et pour vous dire, vous avez le droit de m'insulter parce que je suis un vrai boulet, Voilà, j'ai vraiment sorti, je sais pas à quoi j'ai pensé, mais j'ai oublié de vous présenter un véhicule qui est forcément très... très important sur la vidéo de tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu la vidéo de tout à l'heure, j'ai montré toutes les customisations des 11 prochains véhicules qui vont arriver avec les motifs, etc. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai oublié de vous montrer les motifs de l'hélicoptère de combat qui se nomme le Hunter, qui va arriver très prochainement sur GTA Online. C'est un abonné qui m'en a fait part dans l'espace commentaire. Et là, d'un seul coup, je me suis tapé le crâne en me disant putain de merde, comment j'ai fait pour oublier ça? Du coup, je me rattrape avec cette vidéo qui sera sûrement extrêmement courte et on va tout de suite regarder les petites customisations de cet hélicoptère de combat qui est le FH1 Hunter. Donc le voici, le voilà, de toute manière vous avez là déjà la possibilité de le conduire dans des missions de réapprovisionnement. Hélicoptère qui est plus ou moins puissant puisqu'il a, il a des sortes de des missiles barrages qu'on appelle. Sur GTA, et en gros, si vous préférez, c'est le gros carnage quoi. C'est le mec, c'est l'hélicoptère qui va balancer cette roquette d'un seul coup. Regardez-moi ça, hop là, voilà le petit carnage qui fait plaisir. Mais on n'est pas là pour regarder ça, on va regarder un petit peu au niveau des armes, ce qu'il le compose, véhicule, menu custom, auto upgrade. Voilà, oh, on a déjà une très très belle texture là, dis donc. On a déjà un très très beau motif avec la customisation entière. Donc on voit qu'il y a bien les missiles. On va passer maintenant au script un petit peu, toutes les customisations, enfin toutes les peintures. Hop là, véhicule, menu custom, hop là, non c'est pas ici, c'est ici. Motif, alors nous avons l'hélicoptère sans aucun motif comme ceci. Attendez, on va essayer de se mettre un peu plus au soleil. Hop là, histoire de un petit peu mieux voir. Voilà, on verra beaucoup mieux comme ça. Donc nous avons le motif requin avec la petite bouche du requin sur le côté de chaque côté. Là, cette fois-ci, ça rajoute requin et... pipestrel, donc ça rajoute l'œil juste au-dessus de la bouche, requin et pipestrel camo. Donc cette fois-ci, ça rajoute le petit camo militaire, le petit truc là qu'il y a juste à côté du moteur, c'est un petit dragon, j'ai l'impression. La bouche de requin, encore une nouvelle fois. La même chose cette fois-ci sans le camouflage, style militaire. La même chose avec le camouflage, style militaire. Et là, le sorte de dragon qui change plus ou moins sur le moteur. Le camouflage forêt, donc sans le requin. Avec le requin, camouflage. Donc il m'a l'air d'être le camouflage forêt et le requin et loup camouflage. Voilà à peu près la customisation de cet hélicoptère de combat. Je trouve que c'est vraiment stylé, en même temps ça leur va super bien aller aux Apaches d'avoir des petits trucs de requin comme ça sur chaque côté et tout. Enfin bref, moi je trouve ça vraiment super stylé. Faites moi part un petit peu de votre avis dans l'espace commentaire. Quel est l'avion qui vous avait le plus fait kiffer durant tous les hélicoptères et les avions que je vous ai montré? Quelle est la customisation que vous avez le plus aimé sur, surtout sur le Bambushka. Le Bambushka, une customisation qui était vraiment vraiment magnifique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien dans la description. Du coup, bah voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle était super courte. J'espère quand même qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous, on se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. C'était Virtuos, et bye tout le monde.